bu en 5 heures. Les Ivoiriens sont en train de tout saccager sur YouTube. Le clip était comment? Waouh, super. Foiré de débordeaux, salopard. Petite enfoiré de Bordeaux, ton mon diable au placard. Ce qui est pédé aux Africains, faites amitié avec les Ivoiriens. De Bordeaux, il te faut maintenant ton conseil. Petit Ivoirien, c'est bon. Il faut laisser les Camerounais, les Viviane là-bas. Tandis, qu'est-ce qui se passe ici? Malox, ta vie ça. Donc, il compte pas bien de poster le clip de Djeneba Djaba. Il est obligé de me posterner devant une telle démonstration de solidarité. C'est du jamais vu. Il a fallu de Bordeaux pour qu'on sache qu'il y a un son qui s'appelle Viviane. Gâté, de Bordeaux, l'Enkoufa a tout gâté en Côte d'Ivoire. Voilà, le clip de Djeneba Djaba est sorti. Le clip est sorti. Ça n'a même pas fait 5 heures de temps. Le clip a tapé 1 million de vues. Et ce n'est pas fini. En une seule journée, le clip est au-delà de 2 millions de vues. De Bordeaux, l'Enkoufa même est étonné. Il vient de prendre la parole. Famille, écoutez et on revient. Ils sont en train de tout bousiller. Ils sont en train de tout gâter sur le son Djeneba Djaba. Ils sont en train de gâter tout. Vous avez vu? Les Camerounais, vous avez vu? Les Camerounais, vous avez vu? Vous avez vu ce qu'on aurait pu faire des Viviane? Vous avez vu ce qu'on aurait pu faire des Viviane? Vous avez vu l'argent que vous avez empêché à Prince Aimé de d'avoir? Vous avez vu? Vous avez vu votre méchanceté là? Vous avez vu où ça vous envoie? Les Ivoiriens sont en train de tout bousiller. Ça fait 5 heures de temps le clip, ça fait 1 million de vues. Donc ça veut dire que là, en 10 heures de temps, s'ils n'ont pas bousillé en 24 heures, ils n'ont pas fait 3 millions de vues là, c'est pas les Ivoiriens. C'est quand même montré. Je me souviens une fois, il a reçu des bouteilles à la radio, il lui a demandé: ah vieux, ton nouveau nom là c'est quoi? Il m'a dit: hé, un million de vues en 5 heures de temps. Même des Bordeaux, ils ne pouvaient même pas imaginer qu'il pouvait faire ça un jour dans sa carrière. C'est un son que lui-même, il ne voulait même pas chanter à la base. Hein. Parce que nous tous on a vécu ça ici sur la toile. Il était avec Viviane. Viviane, machin, oh, tac, ça a poulé, puis il voulait faire le clip, il voulait faire le son. Il y a eu les problèmes qu'il y a eu, il a dit qu'il ne fait plus. Les Ivoiriens ont dit que bon, toi, comme les gens là veulent te manquer de respect, attends, on va leur montrer un truc. Ils sont partis chercher un son qu'il a aussi fait comme ça dans les valvales un peu que oh, tac. Ils ont dit que bon, ça, on veut le clip et le son de ça. Toi, mais je ne vais pas croire ce qu'on va faire pour toi. Il est parti sortir le son, il a posté. Les Ivoiriens même disaient que bon, faut pas faire, les Camerounais vont nous voir comme ça, le son n'est pas trop chiqué. Il a quand même sorti le clip. Les Ivoiriens ont dit que bon, mon petit, rien que pour te montrer que tu es un Ivoirien, sort le clip, on va te manquer un petit truc. Il sort le clip, 5 heures de temps, 1 million. Pourquoi? La solidarité, l'amour, l'entraide. Les gars aiment leur pays, ils aiment leur patrie. Après qu'un artiste camerounais va quitter pendant que tu vas aller l'insulter. Insultant qu'un artiste camerounais qui passe installer là-bas, on va les poèmes ici. C'est fini son numéro 1. Oui, les stades étaient numéro 1 à une époque, non? Oui, famille, le succès du clip de Djeneba Djaba de Bordeaux, l'Enkoufa, toutes les félicitations doivent aller à la population de la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens, voilà, ils ont vraiment montré leur amour à leur artiste. Voilà, ils ont vraiment soutenu leur artiste. À tous les célébrités africains, à tous les Africains, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Europe, États-Unis, faites amitié avec les Ivoiriens. Si l'Ivoirien t'aime, tu as tout gagné. L'Ivoirien, c'est le fidèle des stars. C'est le roi des réseaux sociaux. Ouais, c'est fin. Les Ivoiriens, vous avez fait fort. Voilà, de Bordeaux, l'Enkoufa, le clip Djeneba Djaba qui a été publié hier à 19h. Actuellement, il fait 2 millions de vues. L'équipe fait 2 millions de vues. Je t'ai dit là, d'ici 20, d'ici 19h, 24h, là, on va dans 3 millions de vues. Ouais, de Bordeaux, et c'est fin. Les Ivoiriens aussi, vous êtes forts. Ouais, c'est fier d'être Ivoirien. Quand Ivoirien t'aime, tu as tout gagné. Ivoirien, c'est le faisait des stars. Ouais, sans jaillir. Et sans jaillir. Ouais, ouais. Côte d'Ivoire, faites amitié avec les Ivoiriens. Que tu sois en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, Ivoirien, tu fais amitié les Ivoiriens, tu as tout gagné. Mais remarquez, les célébrités africaines, c'est les Ivoiriens qui les font. C'est nous on fait. Voilà, c'est le roi des réseaux sociaux. Quand l'Ivoirien t'aime, on s'en va avec ça. À tous les Américains, même les Américains, ils savent. Les Bengis, les Français, ils savent. Voilà, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, actuellement, il n'y a pas de mouvement. On s'arrête pas, on va à ça. Voilà, on doit avoir les 10 millions. Même plus des milliers de personnes étaient présentes, voilà, lors du tournage. Et ça a vraiment pris. Voilà, quand on a lancé le buzz, quand les Camerounais ont commencé à dire que non, que voilà, Djeneba Djaba, c'est un buzz, voilà, volé, un buzz volé par des Bordeaux. Avec que c'est un buzz volé dans l'histoire de Viviane, voilà, patati patata, les choses qui se sont passées, vous-même, vous étiez au courant de ce qui s'est passé entre les Camerounais et les Ivoiriens sur l'affaire de Viviane. Soirée de Bordeaux, salopard,
petit enfoiré de Bordeaux, ton mot diable au placabeur, sale petit enfoiré que tu sois. C'est toi qui nous mène toujours dans les gourmets, puis n'importe qui vient nous manquer de respect. Toi qui es un talent pur, enfoiré que tu sois, de Bordeaux, ton mot diable au placabeur, petit enfoiré que tu sois. C'est ma cause qui te dit ça, enfoiré là, de Bordeaux, petit salopard. C'est toi qui peux mettre manque de respect. Il y a quel artiste en Côte d'Ivoire qui a plus de talent que de Bordeaux? Il n'y en a pas. Improvisation, c'est un chef. Inspiration, c'est un chef. Sur le plan renommé, c'est un monument. Quand tu as Geneva, tu t'en fous avec Viviane. Viviane, c'est qui? Une Viviane, une fille maudite. Tous ceux qui ont chanté son nom en une carrière prématurée. Une sorcière. Tous ceux qui ont chanté le chant Viviane. Dès que tu finis de chanter, ta carrière se casse. De Bordeaux, c'est Dieu qui t'a sauvé. C'est avec un pur talent né. Un talent né. C'est-à-dire, De Bordeaux est un talent né. Certains ont appris à chanter. D'autres sont rentrés dans la musique par erreur. Mais De Bordeaux est un talent né. Il est né avec le talent. C'est un don de Dieu. C'est avec un mort qu'on s'en prend ça. C'est avec De Bordeaux même, c'est néglige. Voilà, selon la polémique, les Camerounais disent que De Bordeaux a manqué du respect à leur artiste. Voilà, le propriétaire même du vrai son, Viviane. Voilà, le propriétaire du vrai son, Viviane, le prince aimé. Voilà, que De Bordeaux lui a manqué de respect. Parce que vous savez qu'entre temps, De Bordeaux avait fait remise du son Viviane d'abord. Voilà, c'est lui-même qui a lancé le challenge sur TikTok et ça a pris. Voilà, les gens commençaient à multiplier des vidéos par-ci, par-là. Et on dit que non, qu'il a manqué du respect. Pas dans le sens de faire remise, mais comment il a fait le remise? Au lieu de prendre avion de la Côte d'Ivoire et venir au Cameroun pour demander la permission du prince aimé, que non, que je veux faire le remise de ton son. Voilà, il a appelé. Voilà, il est là-bas, il a appelé parce qu'il se voit déjà comme star selon les informations. Hein. Il se voit déjà comme star. Donc, il a appelé pour dire que voilà, prince, je veux faire le remise de ton son, Viviane. Là. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Voilà. Mais ce qui a énervé les Camerounais, De Bordeaux, l'Inkoufa n'a pas appelé seulement avec crédit simple. Il n'a pas appelé appel simple. C'est appel WhatsApp. Pression-nous, mais c'est ta vie, là, t'as pas froid. Thierry Sola n'est pas chic, non. C'est pas notre problème. C'est chico, c'est pas chico. T'es content, t'es pas content. 1 million de vues en 5 heures. Depuis tu chantes là, t'as déjà fait ça. T'as vu ça. Depuis ça, t'as relevé. Tes 5 grosses têtes là, s'ils n'ont pas fait 1 million de vues en 5 heures, t'as vu ça. Ta vie, ça y est, l'adversaire ivoirien, tu n'as pas encore compris ça. Hein? Toi, ça ne rentre pas dans tes oreilles. Ta vie, ça. 1 million de vues en 5 heures. Tu veux dire faire quoi? Nous, on ne nous teste pas, hein? On ne nous teste pas, hein? Raison, on a connexion. Ivoirien a connexion, hein? Et c'est ça même. Ivoirien a connexion, on a 8 filles, hein? Tu, c'est méchant. C'est méchant. Il sorti. Je suis en train là-bas. Il n'est pas plus méchant. J'ai regardé une vidéo là-bas. Je vais regarder encore ici. Aujourd'hui, là, tu m'as... on va faire le million. On va faire le million de vues. D'abord, on fera le million de vues. Voilà. Donnez-moi la télécommande. Attendez. Voilà. Ainsi. C'est appel vidéo bien appel vocal, mais selon les informations c'est appel WhatsApp. Famille, c'est chaud, écoutez et on revient pour en parler. C'est comme ça que les Ivoiriens aussi deviennent numéro 1. Tout le monde veut partir en Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas les en vouloir. C'est pas le quartier. Les gars font ce qui est bien pour les artistes. Oui, si moi elle est actuelle et même être ivoirien, même c'est le même pour les 2 heures de temps qui est à venir là, vous riez un peu. Parce que ça dort, de l'autre côté ça dort, comme le fond d'huile, ça dort. Ils ont décidé, ils ont fait, ils ont dit ce qui... Ah, dis donc. En tout cas les gars, félicitations. Le travail que vous faites, non. Ça, je dis que ça a félicité. Nous, Ivoiriens, on a déjà fait 1 million de vues, vous voyez ça ici. Il y a comme si fier de moi, et puis il y a comme si fier de moi, on applaudit s'il vous plaît. En 6 heures de temps, 1 million de vues. Jusqu'à YouTube a bloqué les vues. YouTube a commencé à stresser, ils ont transpiré. YouTube m'a appelé. Ah, moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouveau clip qui vient de sortir là. C'est comment? En dernier, ce sont les robots qui sont dérégalés. Il dit non, c'est nous les Ivoiriens, on est dessus actuellement. Mais vous avez tout gagné. Il dit Ivoirien. Ah, voilà des bordeaux, les coups, les clips, Djenebak Djaba qui vient d'atteindre
2 millions de vues en moins de 24 heures. C'est-à-dire 15 heures du temps, il a eu 2 millions de vues. Quand l'Ivoirien t'aime, c'est fini. Faites amitié avec les Ivoiriens. Et voilà, ça n'a pas fait quelques jours quand le challenge de Viviane a commencé à apprendre que Debordo a décidé de lancer Teneba Djaba. Et selon la polémique qui circule sur la toile, les gens disent que non, que Teneba Djaba, c'est pas un buzz volé. Que si vous fouillez bien dans l'histoire, que Teneba Djaba, c'est la petite sœur directe de Viviane. Voilà, que c'est la petite sœur directe de Viviane. Que c'est même père, mais pas même mère. Famille. Ça fait combien de temps? Depuis, ça fait près de 3 semaines. Toi, tu es là, Teneba Djaba. C'est toi celui qu'on voit seulement. Il faut libérer un peu les buzz là. Libérer un peu, les autres vont faire un peu de buzz, on va les regarder. Hein? On ne peut même pas laisser la toile, Teneba Djaba. Dès que tu vas à l'école, Teneba Djaba. Tu vas à la mosquée, Teneba Djaba. Tu vas à l'église, Teneba Djaba. Dans les bureaux, Teneba Djaba. Au marché même, là, c'est gâté même. Ah! Tu monopolises les buzz là comme ça. C'est quoi? Ça, c'est la dictature. Ça, c'est la dictature. C'est bon, on sait, tu as gagné, c'est bon. Fais libérer un peu. À cause de toi, les autres là ne peuvent même pas faire buzz. Dès que tu fais buzz, ça passe inaperçu. Tu vois, même Kaes Bloom, il a sorti son son là. Léo, c'est ma jolie monsieur. Monsieur Léo, c'est ma jolie monsieur. Monsieur Léo, c'est ma jolie monsieur. Ah, Léo, c'est ma jolie monsieur. Tu vois, ça là. À cause de Teneba Djaba, on n'écoute pas. C'est pas bien. Même Apoutou, il a fait joli son comme ça avec Ainos B. Justement, il a pris transport, il est parti au Congo, il a fait clip. C'est joli comme ça. Mais depuis là, dès qu'il met ça sur sa page, Teneba Djaba, Teneba Djaba. Non, Debordo, tu as gagné le game, c'est bon. Également, je reviens sur cet aspect dans le clip. Pour ceux qui ont suivi le clip, je reviens sur ça. Debordo Lenkoufa aussi a montré vraiment qu'il est avec ses fans. Voilà, il est reconnaissant envers ses fans. Quand vous regardez bien le clip, les 30 premières secondes du clip, tous ceux qui ont fait vidéo sur le challenge, hein, Teneba Djaba sur TikTok là, Debordo a utilisé vidéo de tout le monde dans son clip. Il a utilisé vidéo de tout le monde dans les 30 premières secondes avant de commencer le clip. Même ça, c'est à féliciter, ça c'est à applaudir. Ça montre vraiment qu'il est aussi avec ses fans, il est reconnaissant. Voilà, famille. Que pensez-vous en commentaire? Pensez-vous que Debordo a déjà battu le record? Ça y est, c'est lui le nouveau Arafat Didier. Voilà, de la Côte d'Ivoire, c'est lui actuellement sur la toile. Voilà, famille, je vous laisse nous donner vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Appuyez très fort sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo au maximum dans les groupes WhatsApp, Telegram, Instagram. Voilà, dans les groupes Facebook, etc. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.